be saving, John, so I really better be going. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du Let's Play sur Ember. Et dans cet épisode, et bien comme on avait tant essayé de tenter dans l'épisode précédent, et il y a ce putain de big boss de la mort qui tue. Mais vraiment, ce putain de big boss de la mort qui tue. Enfin, big boss. Oui, c'est subtil. C'est vrai qu'au final, quand on regarde comment est ce boss, au final, il a l'air simple. C'est juste moi qui suis trop con. Voilà, c'est juste moi qui suis trop con, je n'arrive pas à le battre, alors qu'en fait, c'est très simple. Mais maintenant, maintenant qu'on sait des choses sur ce boss, et étant de refaire tout depuis le début, à savoir, y compris le parcours, parce que vous voyez, faut savoir que quand tu perds face à ce boss, hein, exactement, quand tu perds à ce boss, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, on recommence tout, tout depuis le début. Ce qui veut dire que si, du coup, ton truc, il fait des heures et des heures pour faire ce truc, c'est que ça durera des heures et des heures. Bon, tu vas l'ouvrir, ton truc, au lieu de me parler. Oui, parce que c'est aussi le truc qui est chiant. C'est qu'il faut attendre que l'autre parle. Bon. Très bien. Donc, la première porte, forcément, avec la caméra qui génère l'électricité. Ouch! Voilà, si tu la regardes. Ceci. Hop. Voilà. On passe par là. Les lasers qui tuent. Est-ce que c'est vraiment important de se protéger des lasers? Non, mais ce qui est important, c'est de foutre un tonneau ici pour pouvoir passer cette porte. Très bien. Bon. Alors. Ah oui, la clé. La clé. Caché parmi ceux-là. Et me semble-t-il que il faudrait qu'on garde la 2. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu dans l'épisode précédent, il y a un truc avec le 2 à prendre. Ou non, quoique il faudrait peut-être qu'on prenne plutôt la verte. Ou la jaune, je sais plus. Bon, on va prendre la verte. Vous allez comprendre pourquoi je prends la verte plutôt que la rouge. Et je pense que ceux qui ont vu l'épisode précédent et vont sûrement me dire que je me suis trompé de clé, c'est pas cette clé là, pensent comprendre la stratégie que je veux faire. Bon, sautons et surprise! Oh bah ça alors! Un bot qui fait des flammes sur le côté, c'est sympa. Ça va, mais strictement inutile. Alors celui-là, on l'esquive, parce que quand c'est en feu, on peut pas le rattraper pour le relancer. Par contre, celui-là, on peut le rattraper pour... Merde, j'ai lancé la grenade sans le vouloir. Ah merde, non, j'ai ouvert le chat en même temps. Non, non, c'est pas ce que je voulais faire. Je veux recommencer. Je peux pas recommencer, n'est-ce pas? Hop. Voilà, bon ça lui fait absolument aucun dégât ce que je lui fais faire. Ah, je fais n'importe quoi. En fait, voilà, c'est ça qu'il faut que je lui lance. C'est les dégâts d'explosion qu'il faut. Mais putain, mais pourquoi il appuie sur entrer en même temps, ce con?
J'appuie même pas sur une touche qui est proche d'entrée là. À moins que les touches du jeu ont été changées ou quoi. Est-ce que les touches du jeu ont été changées? Aucune question. Enfin, aucune idée. Mais cassons déjà ça. Cassons déjà ça. Ensuite, deuxième astuce. Quand il va faire ses lasers de la mort qui tue, être protégé par... Ah! Voilà, par l'escalier. Alors je vais juste quand même me soigner parce que je peux quand même m'auto-soigner. Le problème ça va être... Ah oui, le problème ça va être justement vu qu'il faut aussi que je... Ah mais genre ça touche! Oh! Hé! Hey. Ah putain, je peux pas le prendre. Tant pis, je peux pas le prendre. Je peux pas le prendre parce que... Il est dans les flammes! Je peux pas le prendre tant qu'il est encore dans les flammes. Alors soit sinon je joue le temps, mais dans ce cas ça va risque d'être ultra long. Soit vraiment il faut que j'éteigne les flammes en même temps quoi. Ils sont... Oh putain! Trop tard. Trop tard, trop tard. Trop tard, je me suis pris un peu de dégâts. Bon normalement j'ai encore des fléchettes. J'en ai encore combien? J'en ai encore 3. Hop, je vais m'auto-soigner. Je vais m'auto-soigner de ma propre connerie. Et où? Et où merde? Ah purée, on a plus de moyens de... Bon apparemment on a plus de moyens d'accélérer le rythme. Parce que oui, pour accélérer le rythme, comme on a vu dans l'épisode précédent, il faut lui balancer des trucs qui lui explosent la tronche. Et le fait d'accélérer le rythme, en fait le fait de lui balancer des trucs qui accélèrent, qui explosent sur lui, ça donne en fait de l'énergie qui permet d'aller plus vite. Avec... elle est où ma clé? Elle est toujours là, ouais. Putain, j'ai peur de paumer cette clé verte. Donc du coup... S'il veut bien. Hop! Hop! Merci! Du coup, ça va un peu plus vite. Alors, je vais juste rester derrière. À cause, justement, voilà, de ces rayons de laser. Voilà. Donc on ouvre. Toutes les switches possibles. Voilà. Et pour être sûr, c'était bien du coup. C'était bien la verte. Du coup. Et là du coup je crois qu'il va faire un combo avec les... Non, il va pas faire de combo. Non, là il va revenir au premier truc là. Non? Ouais, il va revenir au premier truc. Oh merde! On va ternir nous, tant pis. Tant pis, ouch! Bon. Tant pis, ouch! Ouch, 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 ouch. Très bien, j'ai resté derrière l'escalier. Ok, du coup là il fait le combo. Il fait le combo. On va attendre du coup qu'il nous balance. Hop. Alors c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. C'est ce que je veux. Voilà. Histoire d'accélérer au moins l'échelle. Vous pensez aussi à récupérer dès que possible la clé. Putain, il arrive à faire des dégâts. Putain, il arrive à faire des dégâts de flammes. Mais what? D'où il y a encore des flammes ici? Oh putain. Ah oui d'accord, je comprends mieux. Oh oui, effectivement ce truc traverse du coup l'échelle. Hop! Tiens, prends ça! Et du coup tu vas accélérer le rythme! Alors on va attendre du coup son laser. Voilà! Et là vous allez comprendre pourquoi j'ai gardé cette clé. Voyez? Donc du coup après j'ai du jaune et il faut aussi du rouge. Donc j'ai déjà activé du coup la verte. Maintenant reste ah putain, reste l'orange. Alors je vais rester sur la verte au cas où. Rester sur la verte au cas où. Je vais prendre le orange. Histoire de
Ah oui, mais du coup... Ah, mais du coup, je peux... Oui, je peux essayer de tenter de refaire accélérer ce truc. Ou pas, parce qu'apparemment, il veut pas... Il veut pas se laisser faire. Très bien. Il veut pas se laisser faire. Et en plus, il a foutu pas mal de dégâts. Ah! Hop! Ce qu'on va faire, c'est déjà... Éteindre par l'incendie qui se trouve vraiment autour de nous, le temps que justement ce truc se tourne vers... Ouch! Mais quoi? Mais what? Comment une chaise peut me faire des dégâts de manière complètement bizarre? Bref, du coup là, hop, j'ai activé le troisième. Ah oui, mais du coup, d'accord, ouais, il faut ouch, 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 ouch. Éteindre en permanence l'incendie. Heureusement que j'ai pris l'amélioration qui me permet de recharger au plus vite. Oh punaise, ça je veux. Merci. Ça je veux. Oh, trop tard. Trop tard, trop tard, je peux pas le prendre. Sinon il va exploser dans la main et je vais me prendre des dégâts. Oh punaise. Merci. Merci. Je me suis pris un peu de dégâts. Le mieux c'est quand même qu'on soit full life quand même, non? Donc soyons full life. Voilà. Soyons full life. Je pense qu'une seule suffira là. Oui, par contre non, je veux passer par là moi. Ça va pas du tout ce que vous faites. Je veux pas passer par là, je veux passer par l'autre côté. Allô? Oh punaise. Ah là il tourne. Ah oui, mais il tourne du mauvais côté. Du mauvais côté. C'est absolument pas ce côté là que je vais. Mais attends, ça me protège quand même. Ah non, ça me protège pas. Bon, ça me protégera pas du bras, ça c'est sûr. Mais en tout cas, vu comme ça tourne. Ah, ça va être chaud hein. Ça va être chaud, ça va être tendu. Ça sera pas le dernier épisode, bien entendu, parce que je compte quand même continuer, même si, du coup, j'ai quand même techniquement fini le jeu. Tac, je vais laisser la clé ici. Je vais éloigner toute possibilité qu'on me pète à la figure. Ah oui, d'accord. Oui, là, par contre, faut éviter de se prendre. Et hop, vas-y, balance-moi des trucs. Balance-moi des trucs à la gueule si tu veux. Ça ne suffira pas. Ah, par contre, ça pourrait suffire. Voilà. Allez. Pivote. Pivote. Aïe, 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 aïe. Je vais prendre déjà l'échelle. Ah, ça va exploser. Ça va exploser sur moi. Non, ça n'explosera pas. Et... Voilà. Oh, non, 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 non. Punaise. Aïe 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 aïe. Voilà, allons vite. Au cas où qu'il retourne. Non, c'est bon. C'est bon, ouf. On a fini. Ah. On a donc un choix. Alors, mon cher PDG de Hauser, comment te dire? Vous avez essayé de me tuer combien de fois pour que vraiment que je dois vous faire confiance? Franchement? Alors sûrement pas un type qui a essayé de me tuer. C'est pas faux. Et en plus j'ai reçu plein mal de fric. Bon, vous allez parler éternellement ou je peux choisir là?
It's up to you now. You can be a hero. Maintenant, si je peux. Ça y est, vous avez fini de... Bon. Eh ben, j'ai choisi de ne pas prendre le concurrent et je pense que le choix est tout à fait normal. Hein? Non, mais franchement, avec le nombre de fois que t'as essayé de me buter, mon cher Canadien, là, franchement, aussi le Québécois, c'est quoi cette façon de faire, de tuer la concurrence en tuant les employés de la concurrence? Non, mais, et puis quoi encore? Regarde, maintenant, t'as tout perdu. Maintenant, je t'ai racheté, là. Qu'est-ce que tu vas faire, là, maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire, maintenant? Au style québécois, tabarnak. Bref, en tout cas, cet épisode, ben, je l'arrête ici. En tout cas, c'est cet épisode où j'ai enfin réussi à battre ce boss robot. Enfin. Oui, il a fallu un épisode pour découvrir comment le battre. Mais enfin, j'ai réussi à le battre. En tout cas, si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, la commenter, la partager à vos potos. Et si vous êtes intéressé par d'autres de mes vidéos, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et enclencher la cloche de notification, tout en sachant que je vais prendre une pause aussi pour Noël. Voilà, parce que forcément, c'est les fêtes de fin les fêtes de Noël, ça se passe toujours en famille. Donc du coup, pour Noël, il n'y aura pas de vidéo, forcément, parce que c'est forcément comme je fais en fait des vidéos deux fois par semaine et que forcément, la deuxième semaine, c'est un samedi ou un dimanche, suivant comment se passe la journée. Comment dire? Forcément. Du coup, si ça passe à Noël, et forcément ça tombe à Noël. Donc Noël, il n'y aura pas de vidéo. Donc voilà. Pas de vidéo pour Noël, mais en tout cas on se retrouvera pour peut-être l'année prochaine. Qui sait? Peut-être que je ferai même pour le 31 décembre pour passer le réveillon en live. Peut-être. Je ne suis pas encore sûr à 100%. On verra ça, mais en tout cas, si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à vous abonner et à enclencher la cloche de notification. C'était YenSTR. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Pente de PGM.